Oh les cœurs, les amis, je suis le clone numéro 24 de Monsieur K, et on va bien s'amuser aujourd'hui. Oui, pourquoi une telle bonne humeur? Bah parce que mes autres clones sont morts, et ils sont morts où? Chez le baveux. Comment ça, vous ne connaissez pas le baveux? Je vais vous faire voir. Vous allez vite remettre. Qu'est-ce que quoi? Ouais, mais 39! Donc je suis le clone numéro 39, je suis désolé. Je vous rappelle qu'à partir de mon 49e clone, les duplications vont être beaucoup moins exactes. Donc il se peut que... Je déconne un peu des fois. J'espère que je vais pas tout gros tartiner. Putain, si... Oh là là. Alors j'espère qu'il va me laisser faire la descente directement. Parce que la descente, c'était super long. Et j'ai dû prendre sur moi, oui. J'ai surtout ramé à trouver. Il y avait différents trucs à flinguer. Et ça s'est pas très bien passé. C'est là-bas que je dois aller. On y va? Faudra juste que je pense à mettre un petit coup de frein à un moment. Non mais on peut que rigoler face à ça. Vous êtes bien d'accord? De la life, j'en ai rien à faire de ça. Je veux de la life. Je me suis tué juste en faisant le premier saut. Pourquoi il me remet ça? Non, sérieusement? Eh mais... Il va me les remettre tous! Vraiment, quoi! Pouf, pouf! On se retrouve avec mon numéro 40. Bonjour les amis, je suis le clone numéro 40. N'écoutez pas ce que le Migo d'avant vous a dit, puisque tout va bien se passer. J'ai juste à descendre dans le trou. Quel trou? Je vais vous faire voir. On rigole pas. C'est pas mal. Un autre clone aurait fait pire, je tiens à vous le dire. C'est pour ça, restez avec moi. Tout va super bien se passer. Là, il y a des petits piafs. Non, pas encore. Faut que je me refasse vraiment toute la descente. Seriously. Oh là là, c'est vache. Oui, j'ai mis un petit coup de frein. J'ai senti que ça allait moins bien se passer d'un coup. Et on y continue? Bah on continue, il faudrait juste que je me crache pas tout de suite, très bien. Hop là. Regardez comment on est bien là, comme ça a l'air accueillant. Ça va, je gère. On l'a déjà fait ça, hein, j'y vais. M'attendez pas. Et là je vais m'occuper de ma mimine, d'amour, qui va m'emmener au paradis. Alors comme ça vous connaissez pas le baveux? Non, c'est pas possible. Je vous présente. Donc ça, c'est moi. Ça va bien se passer. Ça, c'est le baveux. Il est un peu massif. Alors, c'est le premier truc que je me suis dit. Mais pas que. Regardez. Il a des tentacules. Il balance de la bave. Acide, tant qu'à faire. Moi, je vais rester vers les plantes, là. Et il est plein de pustules qu'il faut crever. Ah, mais il balance de la lave aussi. Et il faut tracer quand il balance de la lave, parce que c'est pas... pas confortable comme situation, on n'aime pas trop par chez nous. Alors de l'amour et des boulettes, ben bah, en falloir. Et il y a comme tous les boss, bah, c'est en trois phases, donc je vais en braver. Ah, dommage. On se casse. Faut pas chercher à comprendre ce qui se passe des fois. Enfin, tout est bien comme ça. Eh oui, crever les bubons. C'est un sale métier explorateur. C'est plus comme avant. Ah, je crois que j'ai pris un truc pas cool là. J'ai pas vu ce que c'était du tout les gars. Et l'autre il vomit, il déglutit. Il fait le gros dégueu. Il ira avec une tronche pareille, qu'est-ce que tu voudrais faire d'autre? On va se casser de là, ça a l'air pas cool. Voilà. Tiens, un gros tas de morts gluants. Alors là, faut vite que j'aille flinguer ça. Oui, faut que je me remette dans le bain. Hein. Je suis pas entraîné comme le clone précédent qui a l'avantage de toutes ses morts pour avoir fait les pires conneries du monde.
respirer, ça me faisait trop plaisir. Et ça va bien se passer encore, vous allez voir. En fait, c'est la dernière phase qui va être pénible parce que je vais vraiment avoir du monde avec moi. Pour tenir compagnie, et ça va être moche. Hop, 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 c'était pas terrible ça. On se barre vite fait. Allez, hop, hop, hop. Barrons-nous courageusement comme des bouffons. Ah, tas de morts gluantes. Et voilà mes potes. Mes potes acides. Qui vont me gonfler. Et à la fin, ils sont trois et je merde beaucoup, faut avouer. C'est pas le bon endroit où rester, monsieur. Ah, c'est pas du tout le bon endroit. Je suis dans la merde. Où ils sont, mes affreux, là? Ça va bien se passer. Regardez comme il sourit. Je lui ai pas fait encore une seule... Il a pas pris une seule bastos, c'est pas... Hop, hop. C'est pas cool, ce qu'il vient de me faire. C'est pas cool du tout. Je gère. Presque. Ah non, pas les gluants encore. Bon, donc je m'en débarrasse d'un. Et puis de l'autre après. Tranquille. Ah. Casse-toi. Alors il me reste encore un couillon volant là, que je sais pas où il est, qui va me foutre le Bronx. Il faut que je me barre de là! Et que j'attende que mes plateformes redeviennent fréquentables, et que je reprenne de la vie, et que ça va bien se passer, et qu'on y croit, hein? C'est bien un peu l'optimisme, non? Oh putain, ça va pas être bon. Je joue comme une buse, mais c'est pas grave, on va y arriver. Non. Ah, il m'a relâché les deux affreux. Ça va être long, douloureux, pénible. Bref, pas la joie. De tas de morts. Oh là là. Je laisse faire. Je suis paniqué. Voilà. Ah. Il va vraiment me falloir de la life parce que ça va être... problématique, je crois. Dernière phase, c'est là qu'il faut que j'assure. Alors, d'abord les trucs volants, et lui après. Ah, c'est pas bon, j'ai pas pu récupérer de la life. Il me veut, il m'en veut, il m'aime pas. Et il va cracher ses sales piafs. Non.
sera bon pour moi. Oh là 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 là, ça panique encore. Ils sont trois derrière, ça va être chaud chaud. Je vois pas où je suis, je vais crever. Ah, j'avais prévenu. Game over? No way! Cause we got Game Genie! We tell you when it's over! With Game Genie, I decide how many lives I get. I use it when I want to live forever. Play to the end and win! Maybe I want to start on level 15. No problemo! It makes cool games like Street Fighter 2 more exciting. Less frustrating! With Game Genie, it ain't over. So we say it's over! Excellent! Game Genie for NES, Super NES, Sega Genesis, and Game Boy. Codes for many popular games, each sold separately. Alors rouge de fun ce truc. Ah ça va être tragique. Ne me demandez pas, vous savez très bien ce que je vais faire. Voilà. Je vais lancer le grenade tout de suite, ce sera fait. Ouais, c'est une bonne idée ça. Fou.
faire. Aïe 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 aïe. Ah j'en ai pris plein la gueule. Vite mon gros. C'est moche que je crève maintenant. Et donc je ne vais pas le faire. C'est réglé. Je l'ai mérité mon final les amis, je l'ai mérité. Oh là 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 là, je résume, hein, parce que ça va être sûrement coupé au montage. Ce boss, je l'ai fait au moins une dizaine de fois, quoi. Il était terrible. Oui, je vais ramasser ça, je suis un peu venu pour... Ouh, que j'étais énervé. Oui, alors je l'ai fait à la chaîne. D'où l'énervement latent. Possible, c'est pas fini, j'étais à 50%. Je viens d'être... Vous savez très bien ce que je viens d'être. Non, patron, oui, je m'y fais à cette planète malgré tout. D'avoir fini d'explorer la planète. Et je comprends que tes expériences récentes te donnent envie de vomir, mais je tiens à te rappeler que tu vas recevoir des généreuses récompenses si tu accomplis toutes les tâches qui te sont confiées avant de retourner sur Terre. Ok, la dernière créature. Sérieux, ça me rappelait quelque chose. On aurait dit de la viande un peu douteuse dans les dim sum. Arc. Bon, là, je te gage que tu te vois déjà en train de prendre ce coup sur Terre maintenant que tu as tué cette chose. Mais non, ton rêve aurait pu devenir réalité si tu avais pris la peine de ravitailler le javelin. Kindred te réserve encore plus de récompenses si tu achèves la totalité de tes tâches avant de t'envoler pour la Terre. Tu veux jaser avec les biophiles les plus hot de la galaxie? Ça ressemble un peu, hein. C'est peut-être sa femme. Allez savoir. J'ai soi-disant plein de messages. Bah non. Alors, qu'est-ce qu'il me restera à faire? Les principales. Tu n'as aucune mission. J'ai fait toutes les missions principales. Mais c'est magnifique. Et j'en suis à... j'ai plus les stats. Journal perso, Kindex, il m'a fait sauter les stats et j'ai encore plein de trucs à faire. Bon, alors on va admettre qu'on a terminé le jeu et qu'il y a noir de trucs encore à faire pour qu'il en reste 50%, quoi. C'est un truc de fou. Et je vais les faire, du coup. En tout cas, ce jeu, il était aussi monstrueux que son boss final, hein, qui m'a vraiment... Je suis bien content que ce soit le dernier. Cette zone non découverte me contrarie énormément, les amis, hein. On va aller tout là-haut, tiens. Ça nous fera faire un petit tour en extérieur, parce que ça faisait longtemps. Donc, que dire de ce jeu? Bah, il est très bon. Il est pas très long. Il est juste assez bon, comme il faut. What? Oui, je sais, oui. Non, mais je vais me balader, moi. Je suis là pour ça. Donc, je parlais du jeu. En disant que ce jeu, bah, il est bien. Vraiment.
Il conviendra à beaucoup de monde dans la famille, mais je pense qu'il y a des passages, bah, les boss notamment, si vous jouez avec des mômes, il faudra leur filer le coup de main ou pas. Parce que vous avez vu comme j'ai galéré, enfin non, vous avez pas vu, vous avez eu la chance d'avoir le montage, mais je vous garantis que faire et refaire le même boss en permanence, c'est un petit bout de casse-bonbon, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose là-haut pour que fasse des bilibilip. Donc le jeu est très équilibré, c'est très progressif, il est relativement facile en fait. Il y a juste les boss qui sont un petit peu pénibles. Je sais pas du tout, alors ça c'est la grosse inconnue parce que j'ai joué toute l'aventure au pad. Donc du coup je ne sais pas du tout s'il est plus maniable éventuellement clavier souris. Ce qui est probable. Parce que il y a des moments où la visée ça laisse vraiment à désirer. Comment il va ce petit truc? Truc noir, truc noir, truc noir, truc noir, machin. J'ai toujours pas l'explication sur ce truc vert entre parenthèses. Oui, ça là-bas. Je vais retourner là-bas. Voilà, bah, j'aurais tout dit sur ça. Donc en global, ce jeu, il est top. Même s'il n'est pas super long de l'avis de certains, moi je le trouve juste assez long pour qu'on se marre bien avec avant que l'ennui commence à nous atteindre. Par où je passe les choumes? Là? Ou là-bas? Je m'en fous, j'ai d'autres clones en rab, je vous emmerde. Hein, on va dire ça. Ouais, c'est pas mal. C'était super osé ça. Plus jamais je fais ça. Croyez-moi les amis. J'ai fait ma conclusion du jeu. Oui. Journey to the Savage Planet. C'est bon, mangez-en. Si vous avez le vertige, faites gaffe. Si vous aimez les bestioles bizarres, faites gaffe quand même. Et si vous aimez l'exploration, venez-y, franchement, c'est que du bonheur. Allez hop, playlist, playlist. Et moi je vous dis à tout bientôt, regardez. C'est là où j'habite, et je ne rentrerai plus sur Terre. Bye.